c'est au motif du dépassement de la métaphysique qu'ils ont, comme par exemple Jean-Luc Marion, au début des années 80, écrit que Heidegger constituait la seule voie moderne pour penser. Je crois qu'aujourd'hui, peu de philosophes en France continueraient à écrire cela. Donc les choses ont évolué. Maintenant, après donc avoir travaillé sur les textes heideggeriens, j'ai voulu travailler sur l'autre question qui est quand même celle de la réception. Hein. Et c'est dans cet esprit que j'ai choisi la figure majeure de Hannah Arendt qui, aux États-Unis, en Allemagne et finalement sur la planète, a joué peut-être le rôle le plus considérable. Alors, en France, ce serait plutôt Gauffret, en Allemagne, Gadamer, mais vraiment, Hannah Arendt, à partir de la fin des années 40, début 50, s'est faite à la fois l'avocate et la propagatrice de la vision heideggerienne de la modernité, de son interprétation du national-socialisme, et elle a, en 54, dans une grande conférence devant l'association des politologues américains, introduit vraiment Heidegger dans le champ de la politologie. Alors évidemment, apparemment, la politique d'Arendt est bien autre chose. On ne peut pas la rabattre complètement sur Heidegger, je ne cherche pas à le faire. Mais il y a un geste, un mouvement qui ont quelque chose de, d'articuler l'un à l'autre. Arendt, qui dit très rarement « je », écrira dans son livre posthume « La vie de l'esprit » qu'elle a voulu, depuis longtemps, qu'elle a choisi de se mettre dans les rangs de ceux qui ont entrepris de démanteler la philosophie avec ses catégories. Évidemment, celui auquel on pense essentiellement, c'est la Zerstörung, la Destruction, la Bau, heideggerienne, qui, dans ses conférences de Davos face à Cassirer, expliquait qu'il était temps de détruire radicalement l'esprit, le logos, la raison. Alors, en travaillant à ce nouveau livre, j'ai quand même été vraiment frappé de voir le peu de travaux critiques existants sur Arendt. Il y en a beaucoup moins encore que sur Heidegger. Il y a quand même une tradition critique sur Heidegger, hein, qui est relativement bien étayée, même s'il a fallu approfondir l'analyse critique. Sur Arendt, la littérature est massivement hagiographique, à l'exception, bien sûr, tout d'abord, des grands historiens du génocide des Juifs par les nazis, Raoul Hilberg, Saul Friedlander et bien d'autres. Ceux-là ont toujours dit que pratiquement aucune des analyses des origines du totalitarisme et encore moins du Eichmann ne tenait la route historiquement. Chez les philosophes, j'avoue que, à part le grand travail de Fuchs dans Entre chiens et loups, où vous parlez de ce que vous nommez la philosophie antiphilosophique de Hannah Arendt, il n'y a pas beaucoup de travaux. Pas beaucoup de travaux critiques. C'est vraiment quelque chose qui nous étonne, qui nous frappe. Et je crois que ça tient à la manière d'argumenter d'Arendt. Ça tient à sa manière d'écrire et d'argumenter. Alors, il y a quand même un exemple tout à fait intéressant dans le champ français, c'est celui de Raymond Aron. Parce que Raymond Aron, en 1954, dans Critique, fait une recension extrêmement dure des origines du totalitarisme, alors aimable dans la forme, mais quand même, il dit à la fin que finalement Madame Arendt, lorsqu'on la lit, fait que l'on finit, écrit-il, par voir le monde tel que les totalitaires le présentent. Ce n'est pas vraiment un compliment, il ajoute, l'imagination logicienne de l'auteur est quelque peu comparable à celle des idéologues qu'elle dénonce. C'est quand même une critique forte. Hein. Et franchement, depuis 1954, on n'a pas souvent retrouvé quelque chose de cette teneur. Mais ce qui est curieux, hein, c'est qu'il ne faut même pas attendre 10 ans pour que Raymond Aron, en 1961, dans sa collection Liberté de l'esprit, publie la traduction française de Conditions de l'homme moderne, qui sera ensuite rééditée après une préface hagiographique
de Paul Ricoeur, disant que c'est le grand livre de philosophie politique. Bon. Donc Raymond Aron, en fait, qui a bien compris les limites des analyses arendtiennes, a aussi compris le rôle clé que son concept de totalitarisme joue désormais dans la guerre froide. Et il assume quelque chose de ce programme, avec peut-être une réserve intellectuelle, mais finalement cette réserve disparaît. Et 2 ans après la publication dans cette collection verte, Liberté de l'esprit, d'un auteur qui, dans la crise de la culture, dans l'article sur la liberté, dit que la liberté de penser n'existe pas, que ce n'est pas, pas un concept. C'est tout à fait curieux. Il y a parfois, alors ça aussi c'est quelque chose d'étonnant, il y a 3 ou 4 auteurs qui l'ont vu, mais quand on lit très attentivement les écrits d'Arendt, on est périodiquement, on bute périodiquement sur des phrases invraisemblables. Par exemple... Pardon de vous interrompre, je suis navré, mais il faut parler un peu plus fort. D'accord. Donc je disais que quand on lit les écrits d'Arendt, périodiquement, nous nous heurtons à des phrases qui vraiment nous stupéfient. On nous dit, on m'a dit lorsque j'étais sur les bancs des écoles, que Arendt était un penseur de la démocratie. On ouvre Condition de moderne et dès les premières lignes, voilà un auteur qui déplore que nous avons perdu le sens de l'aristocratie spirituelle et politique. Aristocratie politique, bon, est-ce que vraiment c'est la pensée d'un théoricien de la démocratie ? Et vraiment constamment, on ne peut pas ouvrir un livre de Arendt sans soudain buter sur une de ses phrases. Tout à fait bizarre. Et j'en citerai quelques-unes. Donc voilà Aron qui, à 2 années d'intervalle, publie Conditions de l'homme moderne et la notion du politique, accompagnée de la théorie du partisan et d'une préface d'une complaisance rare de Julien Freund. À partir de là, on peut dire, sans du tout que je les mette sur le même plan, Arendt n'est pas Karl Schmitt, bien évidemment, quoiqu'il partage certains postulats, mais pas tous. Mais on peut dire quand même que ces deux œuvres, ces deux noms, vont marquer une forme de captation du champ de la théorie politique, plus agissante aujourd'hui que jamais, même par-delà la relative éclipse de Heidegger aujourd'hui, une captation qui a même su s'aimer dans toute une partie de la gauche, comme par exemple ce qu'on appelle la « new left », hein, comme on parle aussi de la « nouvelle droite », et au fond, la New Left lit souvent les mêmes auteurs que la Nouvelle Droite. Là aussi, ils s'en rabattent l'une sur l'autre, mais il y a quand même des formes de transfert de référence. La deuxième gauche en France, à partir des années 80. Et ça, c'est évidemment au détriment de la pensée critique que je mentionnerai ici dans ces différentes dimensions. Il y a la pensée critique de Kant dans son texte sur les Lumières, et la pensée critique de Marx, bien entendu, dans sa critique de l'économie politique. Alors, pour comprendre les assises de la pensée d'Arendt, et c'est le but des premières analyses du livre, il faut repartir des années 20, de sa formation à Marbourg, à Heidelberg, dans les années 20, auprès de Heidegger, ensuite à Heidelberg, son compagnonnage très important avec Benno von Wiese und Kaiser Waldau. Benno von Wiese und Kaiser Waldau a failli être l'époux d'Arendt. Hein. Anna a failli s'appeler Anna von Wiese und Kaiser Waldau. Von Wiese est un spécialiste de Schiller qui va reconstruire la germanistique après-guerre, alors même que membre du parti nazi, auteur de textes tout à fait explicites sur le Führer comme inspirateur du poète allemand, etc., et du Volkstum, Benno von Wiese est vraiment extrêmement engagé entre 1933 et 1945 dans la culture nationale-socialiste et plus encore. Et pourtant, si nous ouvrons par exemple l'édition, la grande édition Gallimard, qui a bien des qualités, hein, de 2002, des origines du totalitarisme, il y a une grande bibliographie au début,
le nom de von Wiese n'apparaît pas une fois. On ne mentionne que le mariage tardif avec Günther Stern, celui dont elle dira à Heidegger qu'elle ne l'a jamais aimé. Donc le rapport à Wiese est important, je l'ai dit, parce que dans les années 50, von Wiese entame avec l'appui d'Arendt une grande carrière américaine dans les universités américaines avant de revenir structurer la germanistique en Allemagne même. Et Arendt lui dit, tu ne dois surtout pas dire ce que tu dis, à savoir que tu es devenu nazi parce que tu suivais l'esprit du temps, l'enthousiasme de l'époque. Il faut dire que c'est par peur, par terreur que tu as un moment, etc. Donc on voit Arendt qui, au fond, applique le modèle interprétatif qu'elle donne dans le chapitre ajouté aux origines du totalitarisme en 1953, idéologie terreur, hein. Le totalitarisme a pour ressort la peur, l'idée qu'au fond on puisse par enthousiasme, par fanatisme au sens le plus fort, adhérer à la vision du monde national-socialiste ne fait pas sens pour elle. Donc là, sa correspondance encore inédite avec von Wiese est extrêmement intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'elle a joué un rôle dans la réhabilitation d'après-guerre, non seulement de Heidegger, mais aussi d'autres figures national-socialistes, à commencer par son ancien ami. Alors, là, si vous voulez, je suis un peu dans les relations humaines, on va dire, sur le plan de la pensée. Sur le plan de la pensée, il faut vraiment repartir du dernier chapitre de la thèse sur Augustin, avec l'articulation entre deux communautés et le mythe d'une sorte de communauté de salut. Il y a vraiment une notion de la Gemeinschaft très curieuse. Et puis partir de ces articles sur le romantisme politique allemand qui a été remis au goût du jour par un livre de Carl Schmitt, justement. Notamment, Arendt publie au début des années 30 un compte-rendu d'une édition par un nazi de l'œuvre sur l'État, de la doctrine de l'État d'Adam Müller. Et elle est assez peu critique sur cette édition. Elle dit simplement quand même la Gemeinschaft, la communauté selon Adam Müller, n'est pas tout à fait celle des national-socialistes, mais dans l'essentiel, on trouve vraiment des thèses directrices, à savoir que l'homme en soi n'existe pas, que tout se joue dans la communauté d'élection, etc. Des thèses qui vont se retrouver après 1945. Alors cet article n'a même pas été réédité en Allemagne, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Il en existe simplement une traduction américaine. Donc j'ai essayé d'en analyser des éléments dans le livre. Hein. Et ce sera peut-être un peu provocateur, mais pour tout à l'heure ouvrir le débat, j'irai jusqu'à dire que ces premiers textes d'Arendt, si on les voit dans leur fondement, nous permettent sans trop exagérer d'inscrire Hannah Arendt parmi les auteurs de la révolution conservatrice allemande, avec sa façon donc de réduire le politique à une communauté d'élections réservée à un petit nombre, avec toutes les questions des coups, comme l'appel dont je parlais tout à l'heure, dans conditions de l'homme moderne à la restauration d'une aristocratie à la fois politique et spirituelle, ou encore cette croisade laissée sur la Révolution contre ce qu'elle va nommer le désastre de la Révolution française, où elle reprend vraiment très précisément les positions de Burke, et récuse la démocratie égalitaire dont elle dit que c'est le pire des régimes. Enfin, au fondement de sa pensée, on retrouve la même séparation radicale entre le politique et le social qui se trouve dans le concept schmittien du politique. Alors, donc dans Arendt et Heidegger, j'ai voulu contribuer à jeter les fondements. Donc après Richard Wolin, après Edith Fuchs, après les historiens que j'ai cités, les fondements d'une relecture critique de l'œuvre de Arendt. Et alors que le premier livre sur Heidegger était un livre complètement non académique parce que ce champ d'études ne pouvait même pas pointer le bout de son nez dans l'université française, pour le second,
J'ai fait un travail vraiment avec mes étudiants pendant 6 ans à l'université de Rouen. On a pris chapitre après chapitre conditions de l'homme moderne, les origines du totalitarisme. On a travaillé l'argumentation d'Arendt. On a vu la façon quand même extrêmement virtuose et péremptoire dont Arendt parvient toujours au début de ses développements à neutraliser toute possibilité de critique. C'est extrêmement bien fait et ça a marché visiblement, puisque la critique d'Arendt reste largement à faire. Voilà. Autre point intéressant, c'est une manière de ne jamais se mettre dans une position franche de récusation d'un adversaire intellectuel. Voilà. Je prendrai l'exemple de Marx. Dans les années 50, Arendt a un grand projet, elle essaye de se faire financer d'un livre critique sur Marx, qui ferait suite aux origines, et qui s'inscrirait tout à fait dans cette logique de la guerre froide. En fait, ce livre sur Marx, elle ne l'a pas écrit, elle y renonce. Que va-t-elle faire? Elle va de manière plus biaisée, mais finalement plus efficace, s'attaquer à l'un des fondamentaux de l'anthropologie marxienne, à savoir la question du travail. Donc avec Arendt, le travail n'humanise plus. La ligne de partage, dit-elle, entre l'homme et l'animal traverse l'humanité. Et au fond, l'humanisation se fait au-delà du travail, au-delà de l'économique et du social. Elle se fait dans cette cooptation de quelques happy fews qui sont dans l'égalité, mais c'est une égalité de l'isonomie, dans l'égalité de ceux qui sont dans l'agir en concert, expression de Burke, mais agir pourquoi ? Surtout pas pour contribuer à libérer les hommes de l'exploitation de l'homme par l'homme, parce que de toute façon, nous dit Arendt, elle est très explicite, elle nous dit, l'employé, l'ouvrier, de toute façon, ne prennent pas part à l'agir politique. Hein, ne prend part à l'agir politique que celui qui s'est radicalement libéré des relations du travail. Et dans le monde économique, il y a cette phrase terrible que l'on trouve dans son texte sur la révolution hongroise. Au fond, les anciens avaient raison de dire que dans le domaine économique, ce qui devait régner était la domination des maîtres. Donc, ça fait partie de cette phrase où on se dit, elle est vraiment allée jusque-là. Oui, 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 il y a vraiment cette position. Donc, finalement, le concept arendtien du politique est un concept isonomique et non pas démocratique. Alors, bien sûr, il y a cet appel au trésor perdu des conseils révolutionnaires, qui va. C'est un peu comme la théorie du partisan chez Schmitt, toute une postérité à gauche de l'arendtisme va être possible par cela même. Mais si nous relisons le livre d'un des grands chefs de file parmi les révolutionnaires conservateurs, je pense à Arthur Moller Vandenbrouck, qui publie en 1923 le Troisième Reich. Bon, la baie noire de Moller Vandenbrouck, ce sont les libéraux. Et sur la tradition marxiste, Moller Vandenbrouck essaye de récupérer quelque chose du potentiel révolutionnaire du marxisme. Et donc il a quelques énoncés tout à fait positifs sur les conseils ouvriers. On est donc dans cet oxymore de la révolution conservatrice où l'extrême droite essaye de capter quelque chose de la dynamique de la gauche révolutionnaire. Et Arendt, si vous voulez, est quelque part inclassable. Je ne reprendrai pas. Récemment, Habermas a inventé un oxymore à propos de Benjamin qui est assez bizarre. Il dit que c'est un jeune conservatif de gauche. Un jeune conservateur, quand on sait ce que c'est en Allemagne, Forstorff, Schmitt, etc., ça ne peut pas être de gauche. Hein, donc ça ne marche pas. Mais dans le cas d'Arendt, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu capter finalement un éventail considérable d'auteurs qui vont effectivement de la nouvelle ou seconde gauche à la droite la plus conservatrice. Chantal Delsol a créé un institut à Hannah Arendt. Et puis au milieu, vous avez même des libéraux comme Philippe Reynaud, qui ont une vision, à mon avis, complètement. Ils surfent en surface sur l'écume des textes, sans voir les apories. Mais aucun autre auteur n'a réussi à ce point à capter
la quasi-totalité du champ politique. C'est évidemment une réussite impressionnante, mais problématique. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que Arendt fait l'éloge des conseils révolutionnaires, mais prend soin de les distinguer des conseils ouvriers. Or, on le sait, les revendications, par exemple, en Pologne, à un moment, c'était à la fois... était à la fois économique et politique. On ne peut pas dissocier les dimensions. Chez Arendt, il faut les dissocier, parce que comme elle le dit de toute façon, jamais des ouvriers ne pourront diriger une usine, il faut bien qu'il y ait des maîtres. Enfin, elle est très explicite sur cette conception. Donc au fond, ceux qui accèdent au bios politicos, à l'agir politique, sont ceux qui ont marché sur le dos de ceux qui continuer à assumer les besoins vitaux par le travail. Et surtout, il ne faut pas toucher à cette situation. La force de la révolution américaine, ça a été finalement de ne pas abolir l'esclavage et donc de pouvoir disposer d'autres humains qui travaillent à la place des propriétaires fonciers. Et au fond, l'une des erreurs de la Révolution française aura été un temps avant que Napoléon le rétablisse, de supprimer l'esclavage. Les révolutionnaires français, à l'inverse des révolutionnaires ou des pères révolutionnaires américains, n'étaient pas eux-mêmes propriétaires d'esclaves, voire négociants d'esclaves. Donc, que ce soit Franklin, Washington et autres, étaient tous propriétaires, voire négociants d'esclaves. Oui, c'est une différence fondamentale que souligne entre autres Lozurdo quand il évoque. Alors il y a aussi ce point très important. Arendt dit que jamais les opprimés n'ont réussi une révolution. La révolution ne peut pas venir des opprimés. Et il y a évidemment un démenti qui est la révolution de Haïti, qui est une révolution réussie. C'est ce que une auteure américaine, Catherine Jones, a bien montré dans son livre sur Hannah Arendt and the Negro Question. Negro Question, c'est une expression d'Arendt dans ses lettres à Mary McCarthy. Et Catherine Jones ne dit pas qu'Arendt est raciste, elle ne veut pas faire un jugement sur la personne. Mais elle dit qu'objectivement, si l'on analyse les positions d'Arendt sur le problème des droits civiques dans les écoles américaines dans les années 60, objectivement, elle défend les mêmes positions que les suprématistes blancs. C'est-à-dire que pour Arendt, la revendication des parents d'élèves qui souhaitent que leurs enfants afro-américains s'assiedent sur les mêmes bancs des écoles que les WASP, que les enfants américains, protestants, etc., ça ne peut pas être une revendication politique. Ça ne peut être qu'une revendication, au fond, d'ambition sociale, infrapolitique. Et c'est curieux parce que Arendt dit bien comment, au contraire, elle avait par sa mère, très jeune, une conscience de l'enjeu politique de l'antisémitisme à l'école. Sa mère lui disait, si un camarade de classe a un mot antisémite, c'est pas très important. Mais si un de tes professeurs profère quoi que ce soit, là ça devient politique, là tu réagis immédiatement, tu demandes à voir le proviseur, etc. Donc, si vous voulez, il y a un peu de poids de mesure certainement dans l'analyse d'Arendt, et Catherine Jones le montre très paisiblement par une analyse absolument non polémique dans un livre qui, depuis 6 ans qu'il est paru, n'a été ni recensé ni publié en France. J'ai tenté vainement de le proposer à plusieurs éditeurs. Bon, ça viendra bien sûr. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de questions. Alors là, évidemment, je durcis peut-être les angles, mais ce sera pour pouvoir en discuter ensemble. Alors, je terminerai mon propos sur 2 points. L'objet du livre, l'orientation directrice du livre sur Arendt et Heidegger, c'est une double orientation. D'une part, critiquer la vision qu'Arendt nous donne du national-socialisme. D'autre part, reconsidérer en profondeur la conception qu'après Heidegger, elle propage de la pensée. Et finalement, les deux sont assez curieusement articulés l'un à l'autre. Conception du nazisme, conception de la pensée,
chez Arendt comme chez Heidegger, les deux ne sont pas dissociables. Et ça, c'est un point qui n'a pas été suffisamment peut-être vu. Pourtant, Arendt, encore une fois, le dit, c'est bien. Mais à sa façon. Alors, au passage, j'indique un point, c'est que, comme toujours, quand on a le projet d'un livre, on pense qu'on va faire tel livre, et puis on fait tel autre livre. Pendant que j'écrivais le livre sur Arendt, et que je faisais ce séminaire avec mes étudiants, sont parus les cahiers noirs, et les cahiers noirs de Heidegger. Ce ne sont pas seulement des textes qui contiennent des énoncés d'un antisémitisme plus que virulent, hein, qui vise à une dimension qu'on peut dire quasiment génocidaire. Parler de Selbstvernichtung, d'auto-extermination à propos de, en 42, à propos du judaïsme européen, c'est quelque chose qui est tout simplement insoutenable. Il y a aussi d'autres choses très importantes qui sont très éclairantes pour comprendre ce que Heidegger a voulu dire très tôt. En 34, Heidegger dit « finis philosophiae », fin de la philosophie, et il dit « il faut maintenant que la métaphysique laisse place à la métapolitique du peuple historique ». Donc c'est un projet métapolitique explicite, ce que j'ai finalement appelé la métapolitique de l'extermination, titre de la deuxième partie. Et donc au fond, ce thème de la fin de la philosophie, qu'on date généralement de la dernière phrase de la lettre sur l'humanisme de 1947, il est déjà là dans les dossiers de Heidegger, explicite dans les cahiers noirs de 34. Ça c'est extrêmement important. En 34, on peut dire, sans le publier, parce qu'on reste professeur de philosophie universitaire, c'est quand même un peu trop dur de dire que la philosophie laisse place à la métapolitique, même sous le nazisme, il faut quand même garder sa chair, le prestige de sa chair, donc tenir un discours qui va capter des grands auteurs, Hegel, puis Nietzsche, etc., pour, bon, on en reparlera. En 47, évidemment, le mot métapolitique, c'est un mot que reprennent les néo-nazis, c'est le mot que reprendra notamment Pierre Krebs dans son tous les séminaires de Kassel. Métapo, Heidegger ne va plus le prononcer. Et à la place, il prononce le mot pensée, c'est-à-dire qu'il dit, bon, la philosophie est arrivée à sa fin, la pensée qui vient n'est plus philosophie, c'est Denken. Et dans le cours de 51 qui a suivi Arendt, qu'appelle-t-on pensée ? Heidegger nous explique que la pensée n'est ni sagesse, ni connaissance, ni pour la pratique. Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est, dit-il dans une science particulière, elle est andenken, elle est se remémorer. Et se remémorer, c'est quoi ? Il le dit nettement à ses auditeurs. Mesdames, Messieurs, vous devez aujourd'hui, après mon cours, aller voir l'exposition itinérante dans toute l'Allemagne, qui est aujourd'hui à Fribourg, qui porte sur les prisonniers de guerre de l'armée allemande en Russie. Hein? Nous devons nous remémorer ce qui a eu lieu, et c'est ça, penser. Hein? Donc, vraiment, la définition même de la pensée dans « Qu'appelle-t-on pensée ?» est une définition militaro-politique, lié au destin de l'armée du Troisième Reich. Alors évidemment, c'est un destin lourd, les deux fils de Heidegger rentreront en captivité. Je comprends très bien que ce soit un souci lourd, mais on relève aussi que Heidegger n'a jamais appelé ses auditeurs à aller voir les autres expositions qui montraient les photos des camps de concentration, qui ne pouvaient pas montrer les camps d'extermination car il n'y avait pas de photos. On voit que ce Andenken est extrêmement ciblé. Comme le dit Heidegger dans les cahiers noirs, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est, dit-il, un gigantesque 4-7. Le camp de concentration, c'est l'Allemagne sous la présence des Alliés et de l'Union soviétique. Donc, il y a vraiment ce renversement, cette réversibilité dont les nazis les plus endurcis après 45 sont coutumiers. Heidegger assume ce langage et vraiment, c'est assez consternant de voir que dans la vie d'esprit, Arendt met en exergue de son livre ses propositions heideggeriennes de cette fameuse séance sur ce que la pensée n'est pas.
Donc, vous voyez, évidemment, Arendt ne connaissait pas les cahiers noirs. Peut-être est-ce que ça leur a fait reculer. On le souhaite, hein, bien sûr. Donc, on ne peut pas être trop dur dans la critique. Mais quand même... Elle connaissait bien Heidegger. Oui, elle connaissait Heidegger. Surtout, bon, il faudrait parler de sa Laudatio de 69, on le fera dans la discussion. Elle a vraiment joué le rôle clé pour disculper Heidegger et disculper aussi Carl Schmitt. Hein, il faut rappeler que dans les origines du totalitarisme, il y a tout ce passage où Arendt dit que les intellectuels du Troisième Reich, et elle cite Carl Schmitt en faisant l'éloge, n'ont eu aucune responsabilité dans le Troisième Reich. Et par exemple, même Jean-François Kervégan, on peut pas dire Jean-François Kervégan c'est un schmittien, mais il a écrit un livre un peu embarrassé, Que faire de Carl Schmitt, et à trois reprises il cite la phrase très élogieuse d'Arendt sur Schmitt, tout à fait important dans le domaine de la philosophie de l'État, qu'il faut continuer à lire, etc. C'est un des exemples vraiment de ce dédouanement, de cette relégitimation de Heidegger, de Schmitt. Pour Schmitt, juste une incise, je rappelle à notre plus jeune public qu'il a été remis au goût du jour par Chantal Mouffe, donc l'égérie philosophique de Mélenchon quand même. Alors justement, pour le rapport Arendt-Schmitt, les livres de la bibliothèque d'Arendt sont maintenant à Bard College, là où était son mari Blücher, et ceux qui ont d'importantes marginalia sont maintenant en ligne, donc on y a accès. Et Arendt lisait le concept du politique dans l'édition toujours non rééditée, l'édition de 1933 parue chez un éditeur national socialiste, hein, cette édition qui vraiment montre exactement la teneur profondément raciste et nazi du concept même du politique et de l'ennemi chez Schmitt. Et notamment, il y a une phrase où Schmitt dit que le politique n'est pas un universum mais un pluriversum, n'est pas unité mais pluralité. Et Arendt le souligne, etc. Ça m'intéresse parce que, vous savez, il y a deux, trois termes arendtiens, natalité, pluralité, vivre ensemble, qui sont présentés comme les termes à partir desquels il faut repenser la démocratie. La pluralité arendtienne n'est pas le pluralisme. Quand on voit ce pluriversum schmittien, ou quand on voit que comme exemple de pluralité dans sa conférence de 54 devant les politologues américains, Arendt dit: la pluralité, on la trouve chez Heidegger parce qu'au lieu de parler de l'homme, il parle des mortels au pluriel. Donc l'exemple de la pluralité, c'est Heidegger. Ça, c'est un texte qui n'est jamais repris. Franchement, on peut s'interroger. Également pour la natalité. Il faut voir ce qu'est la thèse arendtienne sur ce qu'elle nomme la seconde naissance. Ça, j'y reviendrai aussi. Alors, ce que je voulais indiquer, c'est que j'ai pensé trouver dans les écrits d'Arendt, c'est l'objet de la quatrième partie du livre, pensée, absence de pensée, Heidegger, Eichmann. Il me semble que Arendt a monté une sorte de vaste dispositif disculpant, où d'un côté nous avons l'exécutant, sans motif, prétendument sans pensée. Arendt dit précisément que Eichmann n'a pas de motif. Donc le problème du livre sur Eichmann, ce n'est pas la banalité du mal, c'est le concept d'absence de pensée. L'exécutant est sans pensée. Alors même que dans ses interrogatoires, Eichmann discute assez précisément l'impératif kantien, prend conscience du fait qu'il ne le suivait plus quand il suivait les ordres du Führer, il n'est pas du tout dans la réduction nazie habituelle du kantisme à un hitlérisme, qui est évidemment intenable. Eichmann, c'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup moins, qui n'est pas un simple petit bureaucrate. C'est quelqu'un qui a lui-même une position extrêmement dure et revendiquée, ces positions qu'il exprime à la fin de ses entretiens
argentin avec Sassen, hein, où il parle de la loi de Monsanto, etc. Et il dit que s'il doit mourir, il sautera en se réjouissant dans sa tombe, en regrettant seulement qu'il n'a pas tué 11 millions et demi de juifs. Hein. Donc, franchement, les motifs d'Eichmann, on les connaît, et ils sont aussi sordides que répandus chez les nazis les plus durs. Hein. Cette position ne tient pas. Mais elle donne évidemment une dimension fonctionnaliste à la destruction des Juifs d'Europe. Et face à cet exécutant sans pensée, dans le grand texte, le grand discours radio diffusé, Heidegger a 80 ans, que Arendt prononce à la radio allemande, fait aussitôt publier aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans Mercure. Ce texte dans lequel Heidegger est dépeint en roi secret dans le royaume du penser, c'est que c'est une monarchie ésotérique dans la pensée. Bizarrement, ça ne gêne pas grand monde, un roi secret dans le royaume du penser, parce que c'est que ça, franchement, au XXe siècle, parler ainsi. Et y a un autre texte pour le Livre d'Or publié chez Klostermann, où Arendt dit Heidegger est celui qui nous a appris ce que c'est que, en majuscule, penser. Donc le paradigme de la pensée, c'est Martin Heidegger. Et à partir de là, évidemment, Heidegger ne peut pas être responsable de quoi que ce soit dans la destruction nazie, puisqu'il est déjà, de par sa pensée, exempté finalement de cette interprétation très fonctionnaliste, très réductrice du nazisme. Tout au plus, comme Platon avec Denis, a-t-il eu quelques affinités, comme tout philosophe professionnel prétend-on, quelques affinités avec les tyrans. Mais tyrannie, totalitarisme, comme vous le savez, chez Arendt, ce sont deux choses différentes. Donc, on l'accable un peu, ce qui est quand même un relatif éloge que de comparer Heidegger à Platon, pour mieux le disculper. Et vraiment, ce dispositif que j'ai appelé un peu par ironie bipolaire, Eichmann-Heidegger, est très présent et est confirmé par le fait qu'au début de la vie de l'esprit, Arendt dit qu'elle a voulu s'est intéressée aux activités de l'esprit au moment du procès à Eichmann. Donc elle-même fait la jonction entre ces deux pôles. J'ai donc dans la nouvelle édition, avec une nouvelle préface de Arendt et Heidegger, changé le sous-titre, sans du tout changer l'analyse, mais pour mettre davantage l'accent sur cette question de la pensée. Le titre initial, un peu long, plus complet, « Extermination nazie et destruction de la pensée », était là pour montrer cette articulation complexe entre la vision heideggerienne et les thèses arendtiennes. Je pense que maintenant, notamment grâce au grand numéro de la revue d'histoire de la Shoah qui a été coédité par à nouveau Edith Fuchs et Robert Lévy en 2017 où il y a 8 articles autour du thème Heidegger et l'extermination, avec également le fait que la même année en septembre 2017 Elisabeth Delplat a organisé, lorsqu'il y avait cette mission sur les génocides, une demi-journée pour se demander que faisons-nous du corpus des auteurs nazis comme ceux de Schmitt et de Heidegger. Elle a invité trois philosophes, Jean Fossoc, Hervé Gant, Edith Fuchs et moi-même. Bon, c'était un petit peu électrique dans la discussion qu'Hervé Gant et moi-même, mais c'était très important d'avoir fait cela parce que le problème effectivement se pose. Hein. Je pense que maintenant, la question du rapport de la pensée heideggerienne à la Vernichtung, à laquelle il appelle même ses étudiants très tôt, est une question maintenant publiquement posée. Donc, plutôt que d'y revenir, car maintenant elle existe dans le champ des discussions et des débats, c'est une question très lourde, j'ai voulu mettre l'accent dans cette édition nouvelle sur ce que j'ai appelé la destruction dans la pensée. Donc, destruction dans la pensée à plusieurs égards. Je donne deux exemples, un tiré de Heidegger, un tiré de Arendt. Destruction dans la pensée parce que le geste de Heidegger, qui est vraiment confirmé par les cahiers noirs, mais qui commence dans Être et Temps,
c'est de remplacer les catégories philosophiques par des existentiaux. Et le premier des existentiaux, ce n'est donc toutes ces modalités de l'existant, de l'être là. Le premier, ce n'est pas la compréhension ou l'entendement, c'est en allemand la Befindlichkeit, la tonalité affective, mais il y a un jeu de mots parce que dans Befindlichkeit, il y a aussi se trouver là. Donc c'est la tonalité, le là du Sein, c'est le là de l'être, l'espace de cet être qu'on ne veut plus nommer l'homme. Alors on l'appellera peut-être au pluriel les mortels, mais ce n'est pas ça qui va ouvrir au pluralisme démocratique certainement. Donc dans ce geste, si vous voulez, on tourne radicalement le dos à cette pensée philosophique moderne qui, chez Descartes avec la mens humana, chez Kant avec l'entendement, le Verstand, prenait appui sur l'exercice humain de la pensée. Là, ce n'est plus le cas. Et le premier existentiel, c'est, je vous dis, c'est tonalité affective. Alors, vous avez à partir de là tout un ensemble d'Heideggeriens qui l'ont bien compris. On peut donner deux exemples en passant. Il y a celui de Hans Ulrich Gumbrecht. Gumbrecht est peu connu en France, mais c'est un professeur à Stanford d'origine allemande qui a publié un ouvrage qui s'appelle 1926. Dans 1926, Living on the Edge of Time, Gumbrecht essaye de capter ce qu'il appelle le mood de l'année 26. Le mood de l'année 26, c'est principalement trois choses. J'en nommerai simplement deux pour ne pas être trop long. Le paragraphe 74 des traitants, où Heidegger appelle la communauté du peuple à s'unir dans le même destin, à poursuivre le combat, à choisir son héros. Et puis, Marcel Cerdan, etc., les matchs de boxe. Donc ce mood de l'époque, voilà ce qui importe. Ce n'est plus donc l'articulation d'une pensée, c'est une tonalité dans laquelle on est pris parce qu'on est de 1926. Et il y a un livre récent qui a été fait par quelqu'un qui est tout à fait dans la mouvance de Gumbrecht, un livre beaucoup moins brillant, parce que Gumbrecht est un certain brillant, c'est le livre d'Allenberger, Le temps des magiciens, qui était un best-seller en Allemagne, bon, qui n'a pas rencontré grand succès en France. Allenberger a voulu réhabiliter Heidegger en instrumentalisant trois philosophes juifs allemands, Cassirer ou autrichiens, Wittgenstein et Benjamin. Heidegger compare Davos à un match de boxe, enfin c'est à peu près de ce niveau-là. Et je dirais, pour terminer ce point, avant de revenir à Arendt, que pour ma part, je me dispenserai de demander aux Heideggeriens quel est le mood de notre époque. Alors évidemment, on a des articles, par exemple, de Agamben sur la pandémie, qui sont vraiment... Agamben a toujours le mérite de toucher des points sensibles, mais il a une vision tellement complotiste et de la chose que bon, j'avais répliqué dans Le Monde à l'un de ses articles. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir analyser en profondeur comment s'est formée cette Weltanschauung, cette vision du monde national-socialiste, comment elle s'est structurée et comment et pourquoi ses plus célèbres représentants, Heidegger, Schmitt, ont pu, après 1945, continuer d'être lus, édités, enseignés, présentés parfois comme l'unique voie pour penser. Comment cela a été possible? Alors, Jakob Taubes, qui aimait aller voir Schmitt à Plettenberg, et Jakob Taubes a cette phrase où il dit « Il faudra un jour qu'on nous dise ce qu'était le national-socialisme pour avoir attiré des esprits tels que Heidegger ou Schmitt ». Phrase terrible, parce qu'on se demande « Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce qu'il faut réhabiliter le national-socialisme ?» puisqu'il a eu l'auteur du concept du politique et l'auteur des traitants. Il me semble qu'il faut prendre la phrase à l'envers et se dire que sont finalement Heidegger et Schmitt pour qu'ils se soient laissés capter et travailler à ce point à légitimer cette vision du monde. Et l'un des plus lucides apparaît à cet égard, Ernst Cassirer. Cassirer démissionne de son
poste de professeur à l'université de Hambourg. Deux jours avant l'entrée en vigueur de la loi pour la restauration de la fonction publique, qui révoque tous les fonctionnaires allemands non-ariens, à moins que leur fils soit né, soit mort en 14-18, il y aura une ou deux exceptions qui seront supprimées quelques mois plus tard. Kassirer a parfaitement compris où nous menait cette venue au pouvoir de Hitler le 30 janvier 1933, et il dit cela dans sa lettre au recteur de l'université de Hambourg. Je pense que le régime durera environ 10 ans, mais le désastre qu'il provoquera continuera à laisser des traces pendant les 100 ou les 150 années à venir. Donc nous sommes dans ces traces, il ne faut pas les effacer, il faut les explorer et essayer de tracer nous évidemment d'autres chemins. Merci. Donc là, on va faire place au débat. Moi, je voulais juste, non pas lancer un débat quelconque, poser juste une petite question à propos de ce sur quoi vous avez insisté. La destruction dans la pensée, est-ce qu'il y a quand même, bien que vous, dans la description que vous en faites, c'est assez distinct, une allusion au travail de Lukács sur la destruction de la raison? Lukács, effectivement, a trouvé le titre qu'il fallait pour cette question. Et c'est un titre qui reprend littéralement ce que Heidegger se donne comme programme à Davos, évidemment, pour en faire la critique. Alors il y a autre chose qui est vraiment très intéressant dans le grand opus de Lukács, c'est que avant Edith Fuchs, il a su à la fois travailler sur des auteurs majeurs comme Heidegger, etc., mais aussi, presque dans les mêmes chapitres, parler de Klages, de Rosenberg, de Crick, enfin, de Boehmler, bien sûr, Alfred Boehmler, il étudie tout le prisme des auteurs nationaux-socialistes, des grands philosophes jusqu'aux idéologues majeurs. Donc ça, c'est très important. Cela étant dit, dans son chapitre sur Heidegger, il me semble qu'il ne va pas tout à fait assez loin parce que Il ne pouvait pas imaginer ce que vous voulez nous raconter sur la manière dont Arendt va, et jusqu'à maintenant beaucoup d'autres, faire la promotion de cette destruction de la raison et de la pensée. Il est mort trop tôt pour découvrir l'étendue des dégâts, ce pauvre Lukács. Cela dit, j'ai travaillé dans les archives du Quai d'Orsay, les archives des autorités d'occupation française à Fribourg et à Tübingen. Dans la zone d'occupation française. Oui, dans la zone d'occupation française. Et d'ailleurs, c'est assez concernant parce qu'à Tübingen, celui qui était en charge de la question s'appelait Cheval. À Fribourg, c'était Jacques Lacan, mais avec un T. Bon, Jacques Lacan a pas mal œuvré. Tout le dossier sur Heidegger est vraiment intéressant. Il a essayé vraiment de creuser les choses. Mais à Tübingen, ça a été une catastrophe, parce que c'était la seule université dans laquelle on ne demandait jamais aux étudiants leur passé. Et donc, tous les chefs nazis des corporations d'étudiants sont venus s'inscrire à Tübingen, qui est devenu un lieu de blanchiment des corporations étudiantes après 1945. Là, il y a quand même une responsabilité dans la zone française. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est que dans le dossier Heidegger, il est beaucoup question d'un petit texte de Lukács, Heidegger redit vivus, qu'il avait écrit à ce moment-là, et qui était effectivement un des textes pionniers de la critique de Heidegger après 1945. D'autant que là, je vais tout de suite passer la parole à nos amis au public. Il faut peut-être rappeler pour ceux qui l'ignorent, et en tout cas les spectateurs de nos vidéos, qu'aujourd'hui, cette logique qui a servi absolument d'abord et avant tout la guerre froide, hein, il faut le voir, c'était quand même l'articulation pseudo-philosophique de l'anticommunisme de guerre froide, de l'antisocialisme et de tout ce qui va avec, connaît une embellie nouvelle,
Ça s'était un peu tassé après la publication de vos premiers ouvrages, y compris dans nos milieux universitaires et y compris dans nos milieux supposément de gauche radicale, ce qui peut paraître... c'est pour dire à quel point cette destruction de la raison a été profonde, enracinée, porte ses fruits longtemps encore après. Voilà. Deux points où c'est saisissant, contrepoint de ce que Emmanuel Fay vient de préciser. Il y a deux choses. Premièrement, la manière dont Hannah Arendt, je prends tout de suite, sinon le taureau, la vache par les cornes, si je peux me permettre. Dit qu'il ne peut pas y avoir d'intellectualité de ce nom qui soit nazi. C'est pas un penseur, un vrai penseur ne peut pas être national socialiste. Et deuxièmement, le côté forcément totalisant et donc totalitarisant du contraire de la destruction, d'une construction. Vous avez commencé par là, la métaphore du volcan, les forces telluriques, et qu'un philosophe digne de ce nom doit s'efforcer justement de laisser de côté les parties, au contraire du tout, quelques scories, hein, vous n'avez pas de scories, pour voir justement la force globale qui sur une modalité kantienne pourrait s'appeler le tout se passe comme si, vous voyez, ça convergeait vers quelque chose. Or, ce qui me frappe, moi, c'est l'effarante continuité de la pensée contre-révolutionnaire de Burke, que vous avez nommé, donc de l'immédiat, de l'époque de la Révolution française, pratiquement, jusqu'à aujourd'hui, à travers, justement, les étapes décrites par Lukács, de la destruction de la raison, de Schelling à Derrida, en passant par Nietzsche, bien sûr, et sans avoir du sous-nietzschéisme. Mais là, je vais être beaucoup plus précis. Quand je vois la notion de cette abjecte notion de totalitarisme, comme elle est arrivée à blanchir la pensée nazie, de telle sorte que Hitler ne soit plus seul... C'était son seul propos. De telle sorte que Hitler soit plus seul dans son tombeau. Tiens, je suis avec Staline, c'est sympa, c'est déjà mieux, il y a de la compagnie. Comment ça a pu se faire? Je vais d'abord placer sur un terrain purement logique. Si vraiment la totalité est au pouvoir, mais c'est une excellente nouvelle, on devrait s'en réjouir. Totalité, ça veut dire vous, Edith, Emmanuel, Dominique, moi et chacun d'entre nous, chacune, nous sommes au pouvoir. Je vois pas ce que, en quoi c'est dangereux que la totalité soit au pouvoir. Ce qui est vraiment effrayant dans ce qu'on nous désigne depuis Hannah Arendt comme totalitaire, c'est qu'une partie soit au pouvoir et se prenne pour le tout, que ce soit le parti unique, la race unique, la pensée unique. C'est ça qui est terrifiant, c'est que la partie nous domine, alors qu'Hannah Arendt veut nous faire croire que le danger c'est le tout, la méchante totalité contre cette pauvre Antigone qui résiste à ce stalinien de crayon. Donc premièrement, or, la falsification elle est surtout dans le fait que les antitotalitaires disent le totalitarisme n'est pas seulement dans Staline, il est déjà dans Lénine. Et puis d'ailleurs, il est déjà dans Marx. Et puis d'ailleurs, il est déjà dans Hegel. Enfin, Hegel dit le vrai, c'est le tout. Allez, voilà, c'est signé. Hein. Et puis d'ailleurs, il est déjà dans Descartes. Hein. Vous la rendez l'homme maître et possesseur de la nature, vous dites ça, les écolos d'aujourd'hui, ils vous lynchent. Et puis d'ailleurs, elle est déjà dans Platon, le totalitarisme. Vous retrouvez le programme de Popper, de toute la guerre froide, de l'anticommunisme. Soyez en passant. Mais il y a quand même des penseurs qui sont réhabilités par Heidegger. Ceux qui trouvent grâce dans tout ça, c'est ceux qui sont avant Platon. Parce que quand on arrive à Platon, c'est le premier le système écrit qui nous parvient. C'est toute la philosophie qui est liquidée pour l'instant. Non, avant à Platon, il y a... les pré-socratiques, vous savez, on a trois lignes de l'un, deux mots de l'autre, une page d'Aristote sur Empédocle. Bon, ça veut dire quelques fragments, quelques balbutiements à qui on peut dire, comme Nostradamus, nous faire dire ce qu'on veut. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà la Zerstörung dans la pensée. Circuler, il n'y a rien à voir. Nacht und Nebel. Vous savez, c'était le nom d'une division SS, nuée et brouillard. Voilà ce que je voulais dire. Dominique Pagani, je pense que chez Arendt, en fait, totalitarisme n'est pas un concept, c'est une sorte de slogan.
Elle a essayé de le construire tardivement en ajoutant un texte qu'elle a d'abord écrit en allemand en hommage à Jaspers et qui a été dans la deuxième édition ajoutée. Et du point de vue de la philosophie politique, c'est consternant parce que ce qui est criminalisé, c'est la logique. Elle écrit la tyrannie du système logique commence avec la soumission de l'esprit à la logique et détruit chez l'homme la faculté de penser. Donc vous êtes logique, vous cessez de penser. Et elle parle de Clint comme d'un dictateur. Enfin, c'est quand même un niveau de réflexion qui est. C'est le fondement de l'humanisme, la logique. Et donc je pense que Raymond Aron avait très judicieusement vu quand même le travers de cela, mais il a passé par perte et profit parce qu'il avait un agenda trop pressant. Et puis il avait quand même un sponsor qui était la CIA, donc il fallait assurer la pérennité de la guerre froide. Puisque c'est la deuxième fois qu'on cite Raymond Aron, je pense que c'est la deuxième fois que vous citez. On constate que Raymond Aron, qui ne s'est jamais déclaré à gauche, qui a toujours affirmé qu'il était un homme de droite dans la guerre froide. Ça, il a toujours été très clair. Un homme de droite humaniste est pour moi plus à gauche qu'un type de gauche qui se réclame de Foucault, qui disait l'homme est une création récente et fort heureusement amenée à disparaître. Mais Aron s'entendait très bien. Aron s'entendait très bien avec Foucault. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire, l'homme est la pensée. C'est les mêmes références que Hannah Arendt et Heidegger, c'est Nietzsche, hein. Mais un sous-Nietzsche, parce que le vrai, le Nietzsche qui va rouler un patin, excusez-moi l'expression, au cheval maltraité à Turin, qui pleure et qui avoue que Parsifal de Wagner, malgré tout ce qu'il a pu en dire en mal, c'est finalement les plus hautes valeurs, celles du christianisme, dans une lettre à Peter Gast qu'on ne cite jamais, bien sûr, chez les postmodernes. Voilà. Une question, c'est ce qui m'a venu. C'est peut-être mieux, au lieu de parler d'une introduction du national-socialisme dans la philosophie, c'est plus précisément une introduction du national-socialisme sur le champ de la philosophie, car finalement, la pensée humaine, en tant que telle, elle n'est pas atteinte par la vision du monde national-socialiste. Elle reste toujours à l'extérieur, elle reste toujours sur le champ. Et de fait, c'est un bluff publiciste. On veut nous faire croire que Heidegger c'est un philosophe, mais finalement il n'est que philosophe parce qu'il a la reconnaissance du champ philosophique, mais pas de la philosophie. Et du coup c'est quelque chose qui reste limité sur ce qui est le psychologique, une manipulation de la psyché de l'homme, mais pas vraiment de la pensée. Et ensuite je remarque, parce que je pense qu'il ne faut pas se permettre des naïvetés. Hans-Ulrich Gumbrecht, c'est pas seulement le livre 1926, c'est pas seulement un livre, c'était des séminaires en Allemagne, et quand même, il a rédigé la synthèse de ces séminaires en américaine. Ça veut dire quelque chose. Et il donne dans ce livre un panorama de la culture des années 20, et il fait en sorte que le lecteur perçoit que le seul sociologue qui a compris les années 20, c'est Hitler. Et à la fin, il y a encore des rajouts d'un certain Van Velding et d'un Binding. Donc c'est un livre qui est russé et dangereux d'un coup à l'autre. Et en ce qui concerne l'université de Tübingen, c'est pas l'université de Tübingen, c'est un personnage qui s'appelle Otto Friedrich Bollenhoff, un des élèves phares qui a, dès 1934, introduit la philosophie ou la vision de Heidegger. Un condisciple de Arendt. C'est un des disciples, oui. Un condisciple de Arendt. Il est un peu plus jeune, je pense, ou il est venu plus tard parce qu'il a passé par un autre Nancy avant. Mais c'est lui qui a été, dès 1934, il a formé des professeurs d'école. C'est un des grands pédagogues qui est toujours reconnu, on ne peut pas y toucher, c'est impossible d'y toucher. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très, 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 très dangereux aussi, parce que c'est lui qui a formé des professeurs dès 1934 à un nouveau type. Mais toujours d'actualité. Toujours d'actualité. C'est ça. Son école fonctionne. Il fonctionne un peu comme toutes les écoles, avec des cercles de parole, avec des randonnées, avec le jardinage. Dans l'Allemagne supposée dénazifiée, de longue date. Voilà. Et il a travaillé aussi avec Paul Ricoeur. Mais ça, c'est pas franchement une surprise. Merci pour ces mises au point importantes.
Juste sur le titre de mon livre, j'ai beaucoup insisté sur l'usage heideggerien du langage à l'époque dans ce bouquin. Donc je montrais comment Heidegger reprenait des termes clés de la philosophie comme Arbeit, Freiheit, Wahrheit, travail, liberté, vérité, et il en faisait tout à fait autre chose, quelque chose qu'on retrouve exactement dans la LTI, dans la langue du Troisième Reich. Mais ces distinctions entre philosophie et champ philosophique, vous l'avez parfaitement résumé, je suis d'accord avec vous, simplement ce serait un petit peu long dans un titre de livre. Sur le fond, bien sûr. Concernant Gombrecht, il faut aussi rappeler qu'en 2010, invité par un médiéviste, il est venu donner deux conférences au Collège de France, réhabilitant Heidegger et affirmant que mes travaux avaient obscurci la question. Bon. Ceci dit, c'est un... Voilé, dirait un heideggerien bon. Voilà, Pierre Borgenheim. Vous l'avez voilé. En fait, Anna Arendt a fait une distinction entre le totalitarisme des États autoritaires, seulement autoritaires, sur le fait que l'État totalitaire, lui, s'appuie sur la peur. Sur les masses, mais surtout sur la peur, c'est le fondement. Le distingue, c'est que l'État qui est encore autoritaire, lui, s'appuie encore sur le droit. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que cette distinction arendtienne peut trouver une forme de racine dans les existentiels, les essentiels de Heidegger, sur le fait que c'est la présence de la peur dans la société qui explique peut-être le totalitarisme? Non, mais justement, oui, angst. Oui, bien sûr. Le ressort de la peur, effectivement, c'est quelque chose qui est lié à la lecture de Heidegger, certainement. J'avais montré dans mon livre que Arendt reprend le même vocabulaire que lui, parce que le coup de force de Heidegger, qui malheureusement a marché pour certains, qui pourtant, c'est quand dans la lettre sur l'humanisme, il nous dit que Sartre est resté trop métaphysique, et qu'au fond, alors c'est évidemment stratégique, je pense qu'il n'en pense pas un mot, mais que la conception de l'histoire de Marx est beaucoup plus forte et moderne, parce que, mais à condition de remplacer l'Entfremdung par la Heimatlosigkeit. C'est-à-dire, on remplace l'aliénation par l'absence de sol et de patrie. Ah, alors. Et rien que ça. Rien que ça. Et écoutez, malheureusement, ça a donné quand même une postérité, le marxisme heideggerien. Il y a eu Alfred Schmitt en Allemagne, qui m'a d'ailleurs critiqué, je lui ai répondu dans l'histoire de mon livre. Il y a eu Axelos et d'autres en France. Il y a eu cet oxymore absolu. Alors en France, il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup. Même, il y en a encore d'ailleurs. Même parfois sous la plume de Althusser, il y a des énoncés un peu curieux. Parfois et surtout. Oui, j'allais le dire, oui. Donc, alors que c'est pas non plus. Nous n'avons pas une grande direction, comme vous savez, pour le camarade Althusser. Pas plus que pour Adorno, effectivement. Non, Adorno, moi je le défendrais comme critique. Oui, là, vraiment. Sur ce plan-là, oui. Enfin, il a quand même bien participé à la destruction de la raison, lui aussi, Adorno. Les quelques pages de Bourdieu sur Heidegger sont pas. Moi, c'est ce que je préfère dans ce qu'il a produit. Pour lui rendre cette justice. Oui, alors le problème aussi quand même pour Adorno, c'est la manière dont il est traduit, parce que, bon, je sais que son premier livre a quelque chose d'extrêmement problématique, c'est avec Horkheimer, mais c'est quand même l'Aufklärung, c'est pas la raison, il n'a jamais dit que la raison était héréditaire, c'est une erreur de traduction. Non, mais ça, c'est peut-être pas la citation mot pour mot, enfin, tout le travail est totalement anti-rationaliste, sa conception de la dialectique, c'est quand même assez hallucinant, alors, ben bon, c'est pas... pas le sujet non, aujourd'hui, on pourra en discuter. C'est un sujet très complexe. Nous avons déjà fait une sévère critique de l'école de Francfort. Sur le point des intellectuels, hein, comme une élite, comme une aristocratie, comme vous avez très bien dit, ça aussi c'est un terme encore sous Nietzschéen, hein, cette aristocratie qui seule pourrait avoir... Avec un roi. Le pouvoir, mais bon, bref. Cette aristocratie, cette intelligentsia allemande, celle qui est contemporaine du Troisième Reich, je rappelle ceci. Quelqu'un qui dit, ouais, les juifs, les PD, les communistes, tout ça, il faut les raser, c'est pas proprement nazi ni allemand. Vous en trouvez à 2h du matin dans n'importe quel troquet de la région parisienne. Et d'ailleurs, c'est pas très dangereux, je veux jusqu'à dire c'est pas très dangereux parce qu'il y a la majorité des gens qui a fait oui c'est ça Arthur, allez va te coucher, hein, c'est quelqu'un de marginal.
quand c'est repris par 70% de la population dans les élections, c'est qu'il y a eu des feux verts de l'intelligentsia précisément. C'est qu'il y a eu un monsieur Heidegger, honorable, qui a légitimé les options hitlériennes. Quand j'ai appris par monsieur Fay, dans son premier ouvrage, dans l'introduction du nazisme dans la philosophie, que Hitler disait l'ennemi au sens militaire, stratégique, idéologique, presque, j'allais dire, métaphysique, si ce n'était pas une incongruité ici. L'ennemi, c'est l'Asiat, c'est bien ce qu'il dit, non ? Heidegger. Il emploie effectivement, oui, il parle de la grande guerre de l'Europe contre l'Asiatique. L'ennemi, c'est l'Asiat. Et à cette époque-là, l'Asie, elle commence à la vistule. Hein. J'exagère à peine, mais je suis sûr qu'on se comprend. Non, mais il y a surtout cette phrase incroyable du séminaire, ce que j'appelle le séminaire hitlérien de la Ligue 33 que j'ai fait connaître, où il dit que la nature de notre espace allemand, les Slaves en auront certainement une autre perception, quant aux nomades sémites, ils n'en auront probablement aucune perception. Donc là, il y a une ontologisation folkige de l'espace. Et qui vise, oui, une sorte de gradation. Il y a le germain, il y a les slaves, il y a les nomades sémites. Je voulais redire un petit mot sur quand même état total et état autoritaire. Parce que ça touche à un chapitre très important et qui est complètement méconnu. Je ne veux pas être trop spécialisé, mais j'en dis un mot. C'est le rapport de Hannah Arendt à Erich Voegelin. Erich Voegelin, c'est ce philosophe autrichien qui publie deux ouvrages sur la race en Allemagne en 1933 et un ouvrage qui s'appelle L'État autoritaire à Vienne en 1936. En 1938, il publie Les religions politiques au moment de l'Anschluss, un mois après l'Anschluss, après. Hein, et c'est seulement deux, trois mois plus tard qu'il quitte Vienne pour s'exiler aux États-Unis, et il devient à ce moment-là anti-nazi, ce que réellement il n'était pas explicitement avant, loin de là. Et dans son livre sur l'état autoritaire de 1936, Voegelin a tout un chapitre sur l'état total selon Carl Schmitt, et vraiment, il essaye simplement d'adapter l'état total schmittien à la réalité particulière de l'Autriche. Mais on voit vraiment qu'il y a une symbiose des deux. Or, Voegelin, c'est un auteur dont Arendt, même si elle a des positions parfois différentes et des discussions entre eux, a toujours dit le plus grand bien. Elle fait dans Les origines du totalitarisme l'éloge de race et état, le livre de 1933, qui s'ouvre par un éloge de Rosenberg, et qui est vraiment un livre évidemment raciste, qui reprend les positions de raciologues comme Claus ou Hildebrandt. En France, il a été traduit chez Vrin comme un livre antiraciste. C'est la plus gigantesque erreur ou falsification que j'ai rencontrée sur ma route. Hein. Et en 61, alors Voegelin, si vous voulez, c'est un ultra-conservateur qui va finir sa carrière à moitié à la Hoover Institution de Stanford, hein, là où le jeune Bush a été recyclé, et à moitié à l'Université de Munich, invité par Theodor Mounds, qui écrivait en 1943 un texte sur Wesen und Gestalt der Polizei, où il faisait l'éloge de la SS. Mais Voegelin a réussi à passer pour un auteur anti-nazi, ce qui n'est devenu qu'à partir de 1938. Et du coup, Arendt s'allie à lui, au point qu'elle coédite le grand Festschrift pour les 60 ans de Voegelin en 1961. Et qui publie-t-elle dans ce Festschrift, Antoine ? Elle publie Armin Mohler. Arendt a publié Armin Mohler, qui est quand même le menteur de la nouvelle droite en Europe. Donc c'est vraiment important de voir ça, parce que ce sont des choses qui sont peu connues et qui me font dire que quand Enzo Traverso nous dit que Arendt se situe dans le camp de l'antitalitarisme de gauche, je pense qu'il n'a pas vraiment étudié la question. Ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Arendt dit bien Chelem, je n'ai jamais été de gauche. Elle le revendique tout à fait. Donc l'articulation, même la distinction état totalitaire, état autoritaire est très piégée. Mais ce qui est le plus hallucinant du point de vue de la rigueur des concepts, c'est pour ça que je dis que le totalitarisme chez Arendt n'est pas un concept, c'est que le créateur de l'état total, c'est en 32 Carl Schmitt. Celui qui écrit après lui, en 33, un livre sur l'état total, c'est Forstov, ce juriste schmittien.
ce mot d'état total, c'est la reprise nazifiée d'un terme venu de Mussolini, du fascisme italien, hein, de farouche volonté totalitaire, disait Mussolini. Donc si on veut faire l'histoire du concept, comme Emiliano Gentile l'a fait, comme Jean-Pierre Frey l'a fait, il faut évidemment travailler cette filiation. Que dit Arendt ? Le fascisme n'est pas totalitaire, hein, mais, comme vous savez, les deux totalitarismes, ce sera l'allié de la veille devenu l'ennemi du jour, l'Union soviétique et le nazisme. Il faut peut-être revenir brièvement là-dessus parce que, je vais passer directement la parole, ce que vous venez de dire, le mythe des jumeaux totalitaires, toutes ces choses-là, c'est quasiment ce qui est enseigné dans nos écoles aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux vous dire, je le vois à la librairie, de nombreux cas de gamins qui ont maintenant une vision assez confuse de l'histoire en général, mais y compris de la période qui était jadis, il n'y a pas si longtemps, l'histoire contemporaine, et qui sont convaincus que la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Soviétiques alliés aux Allemands contre nous, alliés aux Américains. Je rigole pas. C'est ce qu'ils comprennent de ce qu'ils retrouvent d'ailleurs confusément dans leur manuel et de ce qui leur est ressassé. Et ça, on ne va pas faire toute cette histoire. Évidemment, le pacte germano-soviétique est mis à contribution, mais de manière très confuse parce que c'est encore trop compliqué d'essayer d'expliquer ce qui se passe et les suites à ce moment-là, y compris vis-à-vis du Parti communiste français. Donc cette thématique-là montre bien... je sollicite votre opinion là-dessus, que le projet, c'est pas par hasard du tout que Arendt et tout ce dont on a parlé va être promu avec Brzezinski quand même, hein, et quelques autres de l'appareil américain, produire l'idéologie de guerre froide. Au service d'un impérialisme américain, très clairement, anglo-saxon en général, américain plus généralement, et c'est leur corpus théorique, idéologique, et c'est le fond absolu de leur propagande, dont le sens c'est on va dédouaner aussi bien évidemment Heidegger que Hitler et le nazisme en montrant qu'il y avait que c'était l'autre face du même Janus et voilà, et donc finalement c'était, ça nous donne aussi dans le droit fil la banalité du mal, tout ça au fond c'était banal. Et il faut bien comprendre que vous aviez en face quelque chose d'au moins aussi terrifiant qui n'a, là c'est le sens de ma question, qui en réalité n'est absolument pas argumenté chez Hannah Arendt au sens où ça n'a strictement rien à voir. Kershaw, Moshe Lewin et d'autres y avaient consacré un ouvrage. La manière dont en France en tout cas, aux États-Unis bien sûr aussi, on assimile complètement... d'un point de vue idéologique, les fondamentaux, que ce soit sociologique, historique et autres, le nazisme hitlérien au stalinisme soviétique. Alors que n'importe quel historien, sans même parler des philosophes, est capable de s'apercevoir d'une hétérogénéité absolue et totale. Alors la confusion totale dans cette idée de totalitarisme, c'est quand même le projet essentiel intellectuel de l'œuvre de Arendt. Si on veut être très concret, on peut prendre par exemple la question des services secrets. C'est-à-dire que Arendt, tout de même, il y a quelques éléments, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, hein, je pas le diable, il y a quelques éléments quand même qui ont une pertinence. Quand elle travaille sur le rôle réciproque des services secrets en Union soviétique ou dans l'Allemagne nazie, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que des chefs de la même façon des Américains, c'est ça, chef du contre-espionnage, le général Gehlen et le réseau du général Gehlen ont été évidemment récupérés, recyclés par les États-Unis au moment de la guerre froide. Donc, si on veut faire le travail sur les services secrets, il faut effectivement le faire de manière complète. Et ce qui est, c'est pas du tout mon objet, donc c'est pas mon. Mais par contre. Le général Gehlen a un frère, qui est le Arnold Gehlen, le sociologue Arnold Gehlen, qui écrit en 1933 une philosophie du national-socialisme, qui est toujours inédite, qu'il a écrite. Et Gehlen, en 1940, publie un livre, L'Homme, dans lequel il explique que, alors, il y a sa théorie de l'homme
qui a besoin d'une compensation, qui est un être de manque, qui a besoin d'institutions fortes pour se rééquilibrer et le dispenser de réfléchir. Et c'est très explicite. En 40, dans son livre, il y a des références à Rosenberg, des institutions fortes, c'est le Führerstaat. Le problème, c'est qu'en 50, il réédite son livre dans le vent de ses textes. Et en janvier prochain, ce livre doit paraître chez Gallimard. Je pressens que ça sera plutôt les éditions et les... Oui. Si on revient à Arendt et la guerre froide, je vais peut-être vous lire un petit texte qui est vraiment un protocole de la guerre froide. C'est la préface de l'édition américaine des origines du totalitarisme. C'est au moment, juste au moment où il va y avoir la guerre de Corée, enfin la guerre de Corée plutôt, qui va faire une partition, oui. Et cette préface n'a pas été reprise dans l'édition Gallimard de 2002. Oui. Elle a été publiée uniquement par une spécialiste d'Arendt dans le magazine littéraire. C'est une tradition Gallimard. Mais voilà ce qu'écrit Arendt. Deux guerres mondiales en l'espace d'une génération, séparées par une chaîne ininterrompue de guerres locales et de révolutions, qui n'ont été suivies d'aucun traité de paix pour le vaincu, d'aucun répit pour le vainqueur. Nous attendons en conséquence à une troisième guerre mondiale entre les deux grandes puissances qui subsistent. Ce temps de latence ressemble au calme qui s'installe lorsque tout espoir a disparu. Nous n'espérons plus la restauration ultime de l'ancien ordre des choses avec toutes les traditions qui lui sont attachées, ni la recomposition des masses de cinq continents jetés dans le chaos produit par la violence des guerres et des révolutions, ainsi que par la destruction graduelle de tout ce qui a été jusque-là épargné. Nous assistons à l'amplification des mêmes phénomènes, la perte de la patrie, c'est Heimatlosigkeit de Heidegger, Homelessness, à une échelle sans précédent, le déracinement, Rootlessness, c'est la Entwurzelung, la Bodenlosigkeit heideggerienne, à un degré sans précédent. Et elle continue. La dignité humaine requiert une garantie nouvelle qui peut être trouvée dans un principe politique nouveau, dans un droit nouveau sur Terre, mis en œuvre et contrôlé par des entités territoriales de conception nouvelle. C'est très curieux. C'est-à-dire qu'elle a un plan qui ressemble extrêmement à un livre qui venait de paraître 2 ou 3 mois avant, qui était Le Nomos de la Terre de Carl Schmitt. On a là une géopolitique de la guerre froide absolument congruente. Et ça, c'est un point qui est vraiment troublant. Il y a quelque chose quand même qui tient la route. Mais c'est pas ce texte. Ben oui, parce qu'il n'est pas réédité dans les éditions officielles. Là, c'est une lacune. On mettra ces extraits sur le site de librairie, que tout le monde puisse apprécier. Je les ai traduits dans mon... Ils sont dans le livre. Ils sont dans le livre d'Anna Arendt sur le totalitarisme, paru au bon moment en Allemagne. Parce que, d'une part, on a gardé silence sur les crimes du national-socialisme. Je me souviens bien que je suis allemand et je suis éduqué dans ce temps-là. Et on a gardé silence. On savait très bien que dans la fonction publique et dans les publications des journaux, etc., il y a tant d'anciens nazis, peut-être des conformistes, peut-être des actifs, etc. Mais ça, on a gardé silence. C'est seulement dans les années 60, dans les dernières années 60, où on a commencé à vraiment parler des crimes de national-socialisme. Il y avait le grand procès Auschwitz à Francfort, et c'était un grand effort des autorités de l'installer, de faire place. Et etc. Maintenant. D'instruire ce procès. C'est ça. Et c'était incroyable. Et il y avait une opposition incroyable de faire un procès tant de temps après la fin du Troisième Reich. On a gardé silence. Et ce livre offrit l'occasion de relativiser le national-socialisme, de le mettre en parallèle avec le système soviétique qui est tellement détesté parce qu'on l'avait dans le même pays, etc.
quand ben oui, parce que l'Allemagne était encore divisée en deux. On a dit quelque chose contre le national-socialisme, qu'on a dit dénoncer quelques gens qui étaient actifs. On avait toujours la réponse, vous êtes peut-être de l'autre côté. Oui. Mais c'est, vous êtes peut-être de l'EDA. Allez-y, allez-y, si j'ai cru. Absolument, toujours, jusqu'aux années 70, il y avait toujours cette réponse. Le livre d'Anna Arendt, alors, on a utilisé, a fait ça sous-plaire, et un avantage encore, c'était une victime des nazis, etc. On est tolérant, on laisse parler une victime des nazis, on n'est pas antisémite, naturellement pas, parce que Anna Arendt est des juifs, ce n'est pas là. Et cette situation était très favorable pour la réception de ces livres, pas seulement le livre sur le totalitarisme, mais aussi Vita Activa, Condition humaine. C'est aussi plein d'images et de locutions, etc. On a le plein de voir aussi. Et c'est plein de ces mêmes topics, de la même attitude. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question, justement, le témoin idéal pour ça? Qu'en est-il aujourd'hui de ce genre de débat, notamment autour de Arendt en Allemagne? Oui, on parle maintenant, il y avait une période maintenant où on en a fait ce qu'on appelle Aufarbeitung der Vergangenheit. C'est Adorno qui a prononcé ça, etc. Il était très hostilement traité par mais maintenant, il y avait beaucoup de choses qu'on peut voir, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de publications, ça c'est vrai. Mais on a, tout le monde le sait, il y a une extrême droite, comme dans d'autres pays aussi, qui font remettre les anciennes paroles. C'est l'AFD par exemple, et même d'autres groupes, et beaucoup de groupes qui... Merci Günther Mensching de... ces précisions vraiment importantes qui rappellent effectivement la réception allemande de Arendt qui est considérable, et Arendt est une icône absolue aujourd'hui. En ce moment a encore lieu une énorme exposition par le musée historique de Berlin dirigé par Raphaël Gross, dont ils ont tiré un ouvrage qui est un best-seller de Spiegel. Et pourtant, Gross est un historien très fin qui doit parfaitement savoir la limite des choses. Il faut quand même rappeler que Arendt, dans le Eichmann, ne dit pas assez, a eu l'infamie de dire que Heydrich, le principal promoteur de la solution finale avec Himmler et Eichmann, est plus important que Eichmann, était demi-juif. Et donc, quand vous savez, il est blessé par des héroïques résistants tchèques et... il met une semaine à mourir et il se serait repenti du mal qu'il avait fait à son peuple, dit-elle. Or, cette histoire de ce ragot de Heydrich demi-juif, c'était un ragot que faisait courir Göring, simplement parce que Heydrich, étant le chef de l'ASD, avait dans ses coffres un dossier sur chacun de ses amis, et il fallait un peu le trouver quelque chose, mais ça n'a aucun fondement généalogique ni historique. Pour les générations actuelles, le Heydrich, c'est le fameux HHH. Donc je vous laisse expliquer à quoi ça correspond. Protecteur de Bohème-Moravie. Mais je ne comprends pas, j'avoue que... Un chemin à Jérusalem est un livre qui ne passe pas, qui est extrêmement critiqué, mais rien que ce fait devrait montrer le côté inacceptable de cette vision. Alors, une autre chose que je voulais indiquer aussi, vous parliez de l'AFD, de l'Alternative für Deutschland. Le philosophe qui a écrit le manifeste de l'Alternative für Deutschland, Mark Jungen, a été formé à l'université de Karlsruhe sous la direction de Sloterdijk. Alors Sloterdijk a pris ses distances depuis, quand elle a vu que Mark Jungen assumait à ce point son rôle. Mais alors Mark Jungen, du coup, a réussi, parce que c'est un peu une bête de scène, j'ai vu des plateaux télé allemands où Jungen est à côté un social-démocrate qui lui dit « Vous êtes un folkisch » et Jungen dit « Non, non, je suis pour la valeur du peuple allemand, mais bon, c'est tout à fait... » Donc, il a à la fois l'autorité d'avoir été un universitaire,
et le fait qu'il est aussi au Bundestag, hein, il a été élu au Bundestag. Eh bien, Jungen a été invité au Bard College, donc dans le bastion de l'arendtisme américain, pour venir débattre avec les étudiants. Alors, il y a eu, à ce moment-là, une levée de bouclier de la gauche américaine qui a protesté, mais c'est quand même troublant. C'est quand même troublant. C'est Roger Berkowitz, qui est l'arendtien de Bard College, où il y a la... Il y a tous les livres d'Arendt, etc., sur le fonds Arendt. Une partie du fonds Arendt, le plus important, reste quand même à Washington, à la librairie du Congrès. Il y a eu ce débat. Et là-dessus, on m'a invité à venir débattre avec, juste après, Roger Berkowitz, à Saint-Pétersbourg. Et le titre, c'était « Jusqu'où peut aller le débat ?». Alors j'ai évidemment refusé parce que je me doutais qu'aller se pointer Marc Jungen, c'était un piège, je pense. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que quelqu'un qui est de l'AFD au Bundestag, qui a tous les plateaux télé, a toutes les possibilités d'exprimer sa pensée. Le fait de l'inviter dans un aéropage académique pour parler des étudiants, c'est une décision politique extrêmement grave. Et donc vous avez des Arendtiens, alors Arendt n'en peut même, je ne veux pas l'accabler de ça, mais des Arendtiens aujourd'hui qui ouvrent vraiment la boîte de Pandore. C'est assez troublant, je trouve. Donc, et là, face à l'indignation légitime de ces universitaires de gauche américains, j'avais envie de leur dire quand même, vous avez raison, je suis comme vous indigné, mais vous auriez dû déjà en amont, parce qu'ils disaient comment peut-on associer le nom d'Arendt à celui de Marc Jungen, je dis oui, mais vous auriez dû déjà en amont vous demander comment peut-on associer le nom d'Arendt à Armin Mahler qu'elle a édité. Enfin, je veux dire, il y a tout un pan de l'activité d'Arendt. On peut, puisqu'elle s'en est chargée. Voilà. Donc les questions doivent se poser dans le corpus arendtien lui-même, c'est ça que je veux dire. Juste pour compléter, je suis très reconnaissante pour l'intervention de M. Mensching. Et juste pour compléter, je viens de la région de Heidelberg. Et là-bas, tout le monde savait encore qui est Jünger, qui est Heidegger, etc. Mais on a exempté Arendt. Arendt, c'est ça, vraiment dans la conscience populaire, quand j'étais jeune, mettons 18-20 ans, Arendt était une critique du national-socialisme. Et on avait la vision que le dangereux dans le national-socialisme, ce n'est pas le national, mais l'élément socialiste. Absolument, voilà. Et bien résumé. J'ai seulement compris ça très récemment. Que pendant des dizaines d'années, je pensais que les dangereux, c'est les socialistes. Mais ce n'est pas la communauté nationale, c'est complètement autre chose. Et Arendt, donc de toute façon, elle était une icône, et c'est ça qui m'a protégée d'elle, parce que déjà dans les années 60, elle était admirée, tout le monde avait sa petite Arendt dans la poche, et ça m'a dégoûtée, donc je n'ai jamais lu quoi que ce soit de Arendt, heureusement. Oui, non, moi, juste, c'était juste, je voulais nommer le nom du Cavaillesque. J'imagine que beaucoup de jeunes ne connaissent pas forcément, parce que le grand Cavaillesque, voilà. Parce que Cavaillès, comme vous savez sûrement, avait une bourse pour séjourner et travailler en Allemagne. Alors, il n'a pas, parce que vous avez parlé de la réception en France du nazisme et de l'hitlérisme, et il n'a pas écrit à proprement parler un texte public, mais il a écrit à sa sœur, il y a trois lettres de cette époque, donc la date exacte de la lettre qui parle de Hitler. Et au moment où il a lu Mein Kampf, il l'a lu, puisqu'il fait partie des rares philosophes, à ma connaissance, français, qui ont lu Mein Kampf en allemand, philosophe ou pas philosophe, d'ailleurs là j'étais en train un peu de faire des recherches là-dessus, je n'ai vu au moment même, et surtout alors avant 1933, bien sûr, puisque on sait bien que Mein Kampf a été publié avant 1933, je crois que c'est 27, hein, la deuxième publication. Et je crois que c'est vers 32, même, que il faut le temps qu'il l'ait lu, que Cavaillès écrit donc à sa sœur que, alors il parle de la médiocrité, mais enfin il parle de ce livre, de ce pavé, dit-il, de plus de 600 pages, mais en Allemagne, toujours, tout finit par de la philosophie, et le nazisme, c'est la destruction de la philosophie, dit-il, et le livre, en toutes lettres, voilà. Je voulais quand même le nommer parce qu'il est un des rares à avoir vu
destruction de la pensée, destruction de la philosophie, c'est tout de même pas rien de l'avoir. Merci pour cet hommage à Jean Cavaillès, immense épistémologue. Est-ce que Arendt et puis Heidegger, en particulier Arendt, avaient conscience de l'écoute qu'elle avait auprès de ce qu'elle allait être tout un tas de nouvelles générations de penseurs de gauche? Et est-ce qu'elle pense à, sur le plan logique, à écrire sa philosophie de manière à immiscer ses prémices et ses noyaux irrationalistes, anti-humanistes et anti-universalistes avec un style de gauche pour mieux les faire passer? Vous utilisez souvent la phrase de Heidegger, l'acte plus haut de la philosophie ou de la politique est de mener son adversaire à son autodestruction. Est-ce qu'il y a une activité consciente dans la construction philosophique en injectant ses prémices de faire détruire la gauche? Et toutes ces idées-là me sont venues aussi avec la lecture du livre de Stéphanie Rosa. Voilà la question. Il y a par exemple une intéressante lettre du tout jeune Agamben à la reine qui est de, je crois, de 1971, qu'on peut lire où Arendt a lu le texte de... Pardon, Agamben a lu le texte d'Arendt sur Macht und Gewalt, puissance et violence, pouvoir et violence, et vraiment sa pensée part de là, c'est un exemple. Sinon, sur la question de l'agenda d'Arendt, je peux dire deux choses. La première, c'est qu'elle a fait un article sur Friedrich von Gentz, qui avait introduit en Allemagne la pensée contre-révolutionnaire de Burke. Et elle s'intéresse beaucoup à Gentz, qui était un grand ami de Raël Varnhagen, cette juive allemande sur laquelle Arendt a écrit une biographie. Gentz qui, dit-elle, pensait comme un conservateur, mais avait une existence personnelle qui était celle d'un libéral au sens pas actuel, libéral, quelqu'un de moderne, qui vit avec des mœurs libres et une pensée ouverte, etc. Et Arendt, c'est un peu ça, c'est-à-dire celui qui se charge de l'agenda parmi les conservateurs, ceux qui se chargent de l'agenda, ce sont Fögelin, Léo Strauss, etc. Mais il faut aussi effectivement pouvoir s'introduire dans les champs de ce qu'on appelle simplement les démocrates américains. Et les amis d'Arendt à New York, ce ne sont pas des républicains ou des conservateurs, ce sont plutôt des démocrates, etc. Mais dans ce champ-là, effectivement, elle introduit un mode de pensée qui efface progressivement les références à quelque chose comme une pensée de la libération de l'exploitation, puisque pour elle, ce n'est pas un objet politique, ce n'est pas une question politique. Et en ce sens, elle joue ce rôle-là. C'est ce rôle-là qu'elle joue. Votre question peut se transformer en affirmation. Il y a bien une concession opportuniste, on peut dire, aux circonstances. Il y a quand même vraiment une sorte d'agenda, parce qu'elle sait que c'est ça qu'on attend d'elle. Oui, c'est ce que je veux dire. La carrière fulgurante qu'elle fait, de Berkeley à Princeton, en passant par Chicago et la New School of Social Research, en quelques années, c'est très bien, quand c'était pratiquement une des premières femmes à être à l'université, c'est très bien, il faut voir les idées qu'elle véhicule. D'accord, donc l'agenda est un agenda opportuniste avant d'être un agenda... Non, il y a un agenda, mais elle met à profit par opportunisme ce que tu viens de... Enfin, si j'ai bien compris. Mais on peut préciser encore les choses, si vous voulez. Arendt, elle a quand même l'aura d'avoir été, pour dire, une apatride en France, dans des conditions difficiles. Elle a été par le gouvernement de Vichy internée à Gurs, où si elle n'était pas partie, elle aurait été envoyée à Auschwitz. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Donc elle a l'auréole de cette persécution qu'elle a réellement connue. Elle a connu une semaine de prison sous la Gestapo. C'est une femme d'un courage, d'une énergie hors de commun, ça c'est sûr, mais en même temps,
justement, c'est très intéressant de voir qu'on vient aujourd'hui de rééditer le journal de Lisa Fitko, parce que Lisa Fitko a vraiment mis dans cette situation, sa situation avec son mari au service des autres. Elle a sauvé 100 personnes. Bon, Arendt s'est sauvée elle-même, plus cher, tant mieux, bien sûr. Mais il faut voir ce qu'elle a fait ensuite. Donc elle a l'aura de ce parcours de persécutée, indéniable, et qui n'est pas à la gloire de Vichy, de l'État français de l'époque, c'est certain. L'autre chose, c'est qu'elle a l'aura d'avoir été quand même docteur de l'Université de Heidelberg. Et donc, qu'est-ce qu'on lui demande? Que lui demandent les revues américaines à la fin des années, au milieu des années, en 1946, etc. De prendre position sur l'existentialisme. Et elle va faire des articles très persifleurs, très critiques sur Sartre et Camus, vraiment en les traitant de haut, etc. Et elle va magnifier Jaspers et Heidegger. Donc elle joue ce rôle-là. C'est-à-dire, les références, y compris en philosophie politique, ce n'est pas l'existentialisme français. C'est évidemment Sartre est en train de se tourner vers le marxisme. C'est au début Jaspers, qu'elle valorise un premier article, et puis ensuite c'est clairement Heidegger. C'est l'époque où Sartre dit tout. Donc elle joue ce rôle-là. C'est un chien. Oui. C'est l'époque où Sartre disait encore à ce moment-là, tout anticommuniste est un chien. Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, je pense que c'est le sens de ta question, Loïc, je parle sous ton contrôle, le côté gauche socialiste, d'un point de vue, on va dire, américain, Amérique du Nord, la tonalité du moins que prend son discours est un fait de circonstance, mais n'est pas en lien avec un agenda qui, lui, a une toute autre visée, en fait. Enfin, monsieur Méchine, je crois qu'on peut dire ça. Et en même temps, ça tombait très bien. Vous voyez, il y a une chose qui m'avait étonné à un moment, c'est qu'à Rennes, est très hostile à la campagne de McCarthy. Donc on se dit, ah, quand même, bon, elle ne va pas trop loin. Mais il y a eu énormément de travaux sur la guerre froide, et on a vraiment montré que dans l'agenda intellectuel de la CIA, McCarthy était un général. C'était absolument excessif, il gênait le travail, il y avait une rivalité et une mésentente dans les différents courants américains. Est-ce que les gens comme... oui. Dans la CIA un peu intelligente, puisque c'est plus international. Plus international, il s'agissait de prendre pied dans l'Europe avant tout française et italienne. L'enjeu, c'était la France et l'Italie. McCarthy était contre-productif, comme d'ailleurs Heidegger, à un moment donné, aux yeux du régime nazi. Non, parce que j'ai souvent lu, lorsqu'on dit que Arendt, objectivement, on sait qu'Arendt publiait dans des revues financées par une grande agence, elle était invitée, comme son aîné McCarthy, également dans le congrès de For Culture of Freedom, etc., tout ça est connu. En même temps, il ironise là-dessus, bon, mais. Elle a toujours son esprit caustique. Pour vivre aux États-Unis, à cette époque-là, c'est l'époque aussi, il faut s'en souvenir, l'époque dont on est en train de parler, de l'agenda de Hannah Arendt, où nous avons Brzezinski, qui lui, très activement, va monter au créneau, va être le véritable idéologue là, de l'appareil d'État américain, mais il est, entre guillemets, libéral de gauche, il est démocrate, il va être secrétaire d'État de Carter, Brzezinski, pas du Parti républicain. Il faut être conscient de ça, les frontières entre gauche, droite, etc., qui sont déjà devenues extrêmement floues chez nous, je veux dire que aux États-Unis, et a fortiori à l'époque, on était encore bien davantage. Je rappelle que dans les French Doctors, qui étaient autour de Reagan comme conseiller, Reagan, l'extrême droite américaine, et Bush Junior, il y avait les French Doctors dont les deux tiers étaient trotskistes. Oui, là, ça nous amène peut-être à une autre partie du débat. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à conclure, mon cher Emmanuel Fay. Mais vous voyez, Dominique, le seul point sur lequel on n'est vraiment pas tout à fait d'accord, c'est sur Adorno. Parce que sur le courage, ça, quand on voit le courage critique qu'il avait dans Allemagne. Mais c'est pas du tout sur ce plan-là que nous sommes hostiles à Adorno. Vous pensez bien. Programme de la Grecque cette année. Oui. Sur Adorno, ben, je crois, je ne sais pas si vous avez vu notre soirée avec Bernard Bourgeois. Oui, je sais. Eh bien, je pense qu'on a argumenté assez clairement sur nos objectifs.
restrictions extrêmement sévères, mais d'un point de vue philosophique, qui n'a rien à voir avec la problématique. Oui, c'est un autre aspect de Adorno. Je pense qu'il faut rendre juste. Tout à fait un autre aspect d'Adorno. Au courage d'Adorno. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans l'école de Francfort, à avoir eu un comportement, politique et autres, au-delà de toute critique sur ces questions-là et sur cette période. C'est pas ça, c'est pas sur ce plan-là du tout que nous attaquons à Adorno. Adorno, c'est pas du tout le même niveau de contradiction, comme on dit chez nous, qu'on observe avec Arendt. Oui, c'est une pensée riche et complexe, dont beaucoup de pensées importantes, parce qu'il n'était pas gagné que dans l'école de Francfort, on soit surpris qu'il y ait de Heidegger. Par exemple, le dernier assistant de Horkheimer, Alfred Schmitt, était un Heideggerien marxiste. Oui, ouvertement, il y en a beaucoup dit là-dessus. Et il y en a encore. Même Axel Honneth, qui a Dieu sait de qualité de philosophe, est finalement assez bénévolent sur Heidegger. Mais la bienveillance vis-à-vis d'Heidegger a tendance à être dans l'air du temps. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'à propos de être et temps, on était finalement plutôt dans l'air du temps. C'était un peu ça au début de votre présentation. C'est ce à quoi ça me fait penser. On a un air du temps qui est quand même, en tout cas dans les milieux de nos élites intellectuelles, et singulièrement celles qui s'autoproclame plutôt de gauche, on va dire, progressiste, etc., on a quand même un souffle heideggerien qui a été ravivé. Je pense que vous en êtes aperçu. Et alors, c'est effectivement, pour en revenir à Adorno, de ce point de vue-là, il est absolument inattaquable, irréprochable. C'est la dernière des choses qu'on n'ira jamais, on n'aura jamais, en titre personnel, et je pense que ce n'est pas davantage l'idée ni de Bernard Bourgeois, ni de ceux qui ont fait une sévère critique de l'école de Francfort ce jour-là, que d'attaquer Adorno sur ce sujet-là. On est peut-être toujours en désaccord aussi sur ce que nous reprochons à Adorno, mais en tout cas, il n'y a pas de différence sur ce plan-là. Voilà, sur cette critique-là, nous ne la faisons pas. Nous n'assimilons pas du tout, pour être clair, la position de Adorno à celle de Hannah Arendt, loin de là. Je dirais même c'est à peu près le contraire. Non, on pourrait encourager les jeunes, moi je trouve que ce serait bien dans ce qui est là-dessus, encourager les jeunes à se poser la question suite à vos ouvrages, par exemple, pourquoi en France spécialement la réception de Heidegger a été aussi favorable, au point que toute l'école philosophique française, parisienne, française, de Sartre à Derrida, en gros, pour dessiner un art qui pourrait épargner les vivants, est dans l'ombre de Heidegger. J'exagère à peine. Hein. Oui, pourquoi en France c'est tellement notoire qu'on a le fameux passage des maîtres anciens de Thomas Bernard où il se fout de la gueule très explicitement des intellectuels parisiens à propos des bouses coquettes de Heidegger. Oui, juste un petit mot pour conclure. Dans Conditions modernes, Arendt écrit que seuls les aristocrates, les meilleurs, sont réellement humains. Je crois que il faut garder en mémoire ce genre de proposition qu'on trouve chez Arendt pour ne pas trop vite en faire une icône de nos démocraties. Ou alors, c'est que nos démocraties se portent vraiment mal. Hélas, j'ai bien peur que les deux soient vrais. Merci Emmanuel, merci à tous.